T'as mis les dents? Alors, renifler un petit peu là, qu'est-ce qu'il y a? On analyse. Les chats analysent les odeurs pour voir si madame est prête ou pas prête. C'est comme nous, je crois, avec les femmes avec les parfums, les hommes, ben, ils n'ont plus qu'à interpréter les parfums, quoi. Alors imaginez-vous, ils n'ont plus qu'à interpréter. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Madame, il n'est pas content du tout. Il n'est pas content, mais t'inquiète pas, mon petit, mon lapin. T'inquiète pas. Il est juste parti se faire une beauté. Oh ben, mon garçon. Oh ben, c'est dur la vie. Oh ben oui. Oh, dis donc. On souffle un bon coup. Ah, dis donc. Oh, c'est dur, hein. Oh, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, je fais une petite beauté là. Regarde ça, regarde ça. Oh, moi qui fais sa petite manie. Et sa petite manie. Oh là là. Mais oui, t'inquiète pas, mon garçon. T'inquiète pas. Je t'aime, moi non plus, voilà. Tu vois? Moi, je t'aime. T'inquiète pas. Je t'aime, moi non plus, voilà. Tu vois, moi je t'aime, mais comme je t'aime, j'ai envie de te bombarder un peu. Comme ça, c'est normal. Ben oui, regarde. Moi, regarde. Moi, je t'aime beaucoup, moi. Si tu viens, ben, je te bombarde. Voilà. C'est comme ça la vie des chats. Hein, mon lapin? T'inquiète pas. Vas-y, retourne. On monte à la couenne solide, hein. Regarde, 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 regarde là, cette cochonne. Regarde-moi cette cochonne. Regarde-moi cette cochonne. Fais gaffe, hein, tu sais bien, fais gaffe parce que. Là. Voilà, ça y est, voilà. Livré ton embuscade. Il se pose des questions. Qu'est-ce que je vais faire? L'état va voir le noireau. Hop. Tentative échouée. Je répète, tentative échouée. Deuxième tentative. Je vous présente le tigre. Très belle bête. Très jolie bête. Un petit mot peut-être pour la caméra? Non, non, non. Ah non, je ne veux pas. Très joli. Alors, je vous présente la vieille Minetta. Voilà. Minetta, un petit mot? Minetta? Minetta? Un petit mot? Minetta? Minetta? Un petit mot? Un petit mot? Ça, c'est la vieille. C'est la vieille. La vieille, elle va tigrer derrière. Et
Voilà, la progéniture Amineta, ça c'est, elle a eu je sais pas combien de portées. Un noiro, ben voilà, il est dans l'expectative. Alors on revient au centre d'intérêt, la tentative d'approche de Mineta. Alors Tigré, action. Presque, presque. Je répète encore, Tigré, action. Et bien joué, bien joué. Voilà, c'est très bien. Voilà, avec plus de sentiments quand même, hein? Plus de sentiments. Si on sait tout à fait. C'est pas du gâteau, moi je vous dis, c'est pas du gâteau. Le travail de toute une vie de chat. C'est pas une petite affaire. Film, je le répète, unique au monde. La copulation des chats. Pas évident de trouver son chemin. Voilà, c'est bon. T'es l'espoir impressionné, Tigré. C'est là, c'est normal. C'est normal. Oh là là. La queue qui frétille d'impatience, être long parfois. Madame se prépare. C'est long. Pourtant dire 7h30. Il est déjà 8 mois, pas là. Il faut savoir attendre. Voilà, on essaye de rentrer. Attends. Les pêcheurs, là.
Et madame qui se pomponne toujours, se pomponne. T'aurais dû t'appeler pomponnette, la minette, hein. Je vois pas que monsieur, il attend depuis longtemps, là. Vous allez être en retard au restaurant. Ta, ta, ta. Ta. Alors, qu'est-ce que tu fais, Minetta? Tu fais quoi? Hein? Non, mais j'ai pas fini encore, c'est pas fini. Bon, d'accord, on attend. Dans la vie, il faut être patient. Mais monsieur l'a très bien compris. Mais bon, temps en temps, un petit coup d'œil chez la belle ne fait pas de mal. Mais bon, juste un petit coup d'œil, quoi. Hein, n'est-ce pas? Que c'est long, que c'est long. Mais bon, plus c'est long, plus c'est bon, il paraît. Toujours studio 21 au plus près de l'action. Pour vous, chers téléspectateurs, j'allais dire l'acte final, mais ça n'en finit plus. Again, again. C'est comme avec nous, hein. Nous, on est prêts depuis longtemps, les garçons. Depuis longtemps, longtemps, on est prêts. Mais madame, elle continue à se faire la belle. Tu te peignes ici. Pourquoi tu te peignes à gauche? Tu t'es déjà peigné 50 fois à gauche, mais non, on se repeigne à gauche, à droite, au milieu. On se refait les griffes parce que c'est normal, hein, quand lui il va ramasser un coup dans la gueule, il faut que toutes les armes soient prêtes. Pourtant, monsieur continue à s'approcher, comme si de rien n'était. Il fait gaffe, mon lapin, parce que Minetta est rapide. Fais gaffe. Faut dire que là où il y a la caisse rouge, là, sous le banc, il y a eu au moins deux ou trois fois déjà des cartons qu'on a mis pour que madame puisse installer sa progéniture. Donc elle n'est pas à son coup d'essai. On l'appelle la vieille chatte d'ailleurs parce que bon, elle est déjà bien déplumée. Il y a les poils qui sont bien tombés sur le flanc. Mais qu'importe, elle exerce toujours son fort pouvoir d'attraction sur la jante masculine. Voilà un beau spécimen là. Un petit mot pour la caméra peut-être. Regardez-moi cette superbe musculature. Oh là là, mais ça c'est le soupirant, c'est l'ex. L'année dernière, ben, c'était lui le favori de cette dame-là, mais bon. Aujourd'hui, son temps est passé. Et madame, oh, elle est éternue. Elle est éternue, bon. Elle est éternue, un peu trop de poussière, il faudrait que je fasse le ménage. J'ai oublié de vous dire que les chats ne font pas le ménage. Je serai obligé de faire le ménage. Voilà. Ça n'en finit plus. Ça n'en finit plus. Heureusement, monsieur est patient parce que c'est pour la bonne cause. La bonne cause. Mais bon, ne me fais pas trop attendre quand même, hein, parce que là, au bout d'un moment, je commence à en avoir marre, hein. Oui, voilà, ça c'est l'ex.
Ça, c'est l'ex. On a eu beaucoup de portées avec des figures pareilles là. T'as eu chaud là, mon gamin. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça, c'est juste une astuce. Vas-y, gamin, vas-y. Vas-y, gamin. Vas-y, fais ça maligne. Fais ça chatte. Vas-y, gamin. Vas-y, gamin. Te laisse pas impressionner. Gamin? Gamin, fais vite, j'ai plus de batterie là. Tu hésites trop. Tu hésites trop. Faut y aller franco là. Moi, je te dis qu'elle fait semblant de dormir. Vas-y. Elle fait semblant de dormir. Vas-y. Chérie, fais vite. Fais vite, chérie. Chérie, arrête de dormir. Chérie. Fatigué d'attendre la punaise. C'est à dormir. T'avais 1 heure pour te préparer, mais non, t'arrêtes plus de dormir. La marre. Quelle vie de chat, alors. Fais chier. Merde, alors. Crotte de bique. Chérie. Quand je dis chérie, c'est action. Chérie. Vas-y, mon gros matou. Vas-y. Vas-y, vas-y. On la tient, la séquence, là, on la tient. Et vas-y. Encore une tentative d'approche. Vas-y, vas-y, vas-y. Ne laisse pas débiner. Vas-y. T'as vu comment elle est là? Non. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Moi, je te dis, mon gars, elle fait semblant de dormir. Elle a... Voilà, le pépère, là. Le tigré. Alors, je dois dire que l'autre, il est resté à la porte de la maison. Pourquoi? Soit il a perdu contre le tigré, soit il a peur de venir à la maison. Parce qu'il faut dire que je l'ai chassé plusieurs fois. Le monsieur, il venait prendre la gamelle. Et donc, lui, là, j'ai réussi à le caresser, là, le tigré. J'étais social avec lui dès le début, donc ça doit être aussi pour ça. Mais il faut dire que le tigre est bien costaud. Que peut-être que cette année-là ou l'année prochaine, on va avoir des figures comme ça là. Tigré. Voilà. Ça y est, nettoyage terminé.
Les voyages terminés. On se remet en position. Et là, évidemment, monsieur, il commence à calculer, de voir quelle est la stratégie pour lui bouffer le cou une nouvelle fois. Comme vous savez, ça tout commence par saisir le plus rapidement possible le cou de la belle, certainement pour l'immobiliser, et ensuite passer au feu de l'action. Oui, ce n'est pas les feux de l'amour, là, c'est les feux de l'action. Les feux de l'action. Alors là, je crois que je vais aller boire un café parce que vous voyez, ces petites situations-là, ça peut durer longtemps. Hein? Pas fumé? La belle toujours dans sa tanière. La stratégie du placement. Il faut toujours bien se placer. Toujours bien se positionner. Monsieur est un fin stratège.